Move. Je sais pas si t'as vu le nouveau nom du Front National, qui deviendra bientôt le Rassemblement National, si les militants sont d'accord. Bonne idée, Marine. C'est moderne. Non, c'était le nom d'un mouvement pro-nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a déjà été utilisé par les députés Front National en 1986. Et RN, ça veut aussi dire Route Nationale, mais ça n'a pas de rapport. Et puis apparemment, ce nom aurait déjà été déposé en 2013. Pour info, les gens du FN, quand vous allez sur Internet, y a pas que F de souche. Un petit tour sur Wikipédia, ça aide un peu parfois. Moi, j'ai une idée de nom. Le Parti Européen Traditionnel Anti-Islam Nuisible. Le Pétain. C'est bien ça, Pétain. Ça n'existe pas, c'est pas pris, ça, c'est pas déposé. Hein? Je sais pas si t'as vu, mais c'est la grève générale à Mayotte. Depuis un mois, le 101e département français proteste contre l'extrême insécurité sur l'île et globalement les conditions de vie très difficiles. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, est arrivée sur place ce matin pour tenter d'apaiser les tensions. Au bout d'un mois de grève, c'est quelle compagnie qui met un mois pour aller à Mayotte? C'est 15 heures normalement. Et on va pas se mentir, elle a pas été spécialement bien accueillie. Les Mahorais se sentent abandonnés par le gouvernement. Évidemment, Emmanuel Macron a réagi. Non, il est busy, il est en Inde, il visite le Taj Mahal. En même temps, Manu, il croit que la Guyane, c'est une île. Il est pas bon en Outre-mer. Je sais pas si t'as vu, mais... je suis un peu ému. Pas comment vous le dire. Voilà. Karine Le Marchand quitte Twitter. Sur la ta pépette, là, c'est dur. Elle a fait un communiqué officiel publié ce matin et trouve qu'il y a trop de haine sur Twitter. Évidemment, Emmanuel Macron a réagi. Non, le président est toujours en Inde, hein. Taj Mahal, tout ça, tout ça. Non, puis de toute façon, Manu, Karine, il la regarde en replay. Quand Brigitte est couchée. Pourquoi j'ai dit ça? Tu es connecté sur Move.